Salut à tous, moi c'est Lucas, voici l'équipe de Carotte ta coloc et on a créé une application qui permet de distribuer équitablement les tâches ménagères dans une colocation. Et alors au fait, ta coloc, ça se passe comment ? Oh là là, mais m'en parle pas, ça se passe trop mal. Tu sais, j'ai emménagé il y a un mois là dans ma nouvelle coloc et franchement ça se passe super mal. On a vraiment du mal à gérer nos tâches ménagères. Et ce qui est vraiment frustrant, c'est que moi j'ai l'impression de tout faire, eux ils ont l'impression de tout faire et personne ne se remet en question. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux où personne ne fait rien et on vit dans un appart qui est dégueulasse. Et franchement, c'est au quotidien, là, ça commence à être vraiment lourd à vivre. Et par exemple, hier soir, on a fait une soirée, donc jusqu'à 4h du mat, super cool, sympa. Moi, tu me connais, je me lève tôt. Hein, donc à 9h, j'ai fait le ménage, j'ai passé la spie, j'ai passé la serpillière. What? Je suis allé vider le verre tout seul et les mecs se sont réveillés à 14h. L'appart était nickel, tu vois. Donc voilà, moi je me sens un peu lésé dans l'histoire. Et alors, on a un coloc, il y en a un, il fait vraiment rien dans la coloc. Ouais. Donc ça fait 5 ans qu'il est dans la coloc, donc lui, il se croit un peu chez lui, tu vois. Et en plus, il invite tout le temps des potes, et il prévient personne, donc il y a tout le temps du monde à la maison. Enfin non, ça se passe mal. Quoi, et comment vous organisez dans la coloc ? Comment on s'organise ? Bah, la gestion, je sais pas, il y a des tâches. Non, on s'organise pas, non. Pourquoi tu fais comment toi ? Bah tu connais pas Carotte ta coloc ? Non. Bah mec, t'es sérieux ? Bah non, je connais pas. Mais cette app elle est ouf mec. Ah ouais ? Bah ouais, je vais te montrer. Vas-y, fais voir. Donc Carotte ta coloc tu disais ? Ouais, c'est ça. En fait, on a défini des tâches au début de la coloc. Ok. Et elles sont assignées chaque semaine de manière aléatoire parmi tous les colocs. Donc moi, là tu vois que j'ai deux tâches à faire cette semaine. Ouais. Donc je dois aller faire les courses et je dois aller passer la spie. Enfin, je dois passer la spi. Okay. Et là, c'est les tâches de mes autres colocs. Ah, mais trop bien. Et là, tu vois que Monica, c'est un peu une maniaque. Ouais. Mais au moins, c'est cool, tu vois. C'est cool de voir que t'es pas solo à faire des trucs. Ah, et bah, c'est clair. Et attends, et du coup, pourquoi carotte ta coloc ? Parce qu'en fait, chaque tâche te ramène des carottes. Genre, quand tu réalises une tâche, tu gagnes des carottes. Ah, mais par génial. Exemple, moi, là, ce midi, je suis allé faire les courses. Et j'ai oublié de le valider. Donc, je vais le faire dès maintenant. Et tu peux valider. Faut quand même le prouver à tes colocs, tu vois. Ouais, genre, bah c'est, t'imagines, ils partent en vacances, tu dis que t'as tout fait, tu gagnes des carottes sur leur dos. Du coup, là, je peux prendre. Et là, je suis allé faire les courses tout à l'heure. Des courses de tout à l'heure. Ouais, c'est mes courses. Du coup, je valide. Et là, tu vois que mes carottes, je gagne des carottes. Ah, mais c'est trop bien, ok. Et que ma tâche a été faite. Ok. Et ces carottes, en fait, tu peux les dépenser. Donc par exemple, moi, passer la spie, tu vois, c'est un truc que je déteste faire. L'appart, il est immense. Il suffit qu'il y ait un coloc dans le canap, genre tu passes pour le relou qui fait du bruit et tout. Ouais, grave. Du coup, moi, je vais pas le faire et je vais l'affecter à un coloc. Bon, je dépense des carottes, tu vois, mais au moins, je le fais pas. Ouais. Donc là, ça me coûte un peu cher. Hein. Ouais. Là, j'ai carotte Chandler, tu vois. Du coup, là, c'est plus à moi de passer la spie. Ok. Donc, Et là, j'ai plus de tâches à faire cette semaine, et tu vois bien que Chandler, du coup, il doit passer à serpillière, laver à salle de bain et passer la spie, tu vois. Ok. Et l'autre truc cool, c'est que tu peux dépenser tes carottes pas que pour les tâches ménagères. D'accord. Tu peux assigner quelque chose à tout le monde, enfin des petits events. Et en gros, là, par exemple, c'est dans le shop. Et si je veux faire une soirée privée ce soir et que tous mes collègues prennent la porte, bah, je peux acheter cette carte. Bon, ça me coûte 250 carottes, donc je vais pas le faire tout de suite, j'ai pas assez. Je peux organiser un apéro, inviter des potes. Je peux. Ah ouais, tu vois, ça c'est relou. Genre, t'as un truc à rendre le lendemain, ton wifi bug, tous tes potes iront des films en streaming. Ouais. Bah, t'achètes la carte en mode les gars, cassez-vous du wifi quoi. Je peux regarder la télé s'il y a un truc cool, tu vois. Genre, les gars ils veulent regarder le dernier Disney et moi j'ai envie de regarder le match de foot de ce soir. Je dis c'est à moi la télé pour ce soir. Ah ouais, ça c'est une carte qu'on a ajoutée, nous, parce que notre canapé, il est tout petit. Et il y a une seule place où tu peux être allongé, tu vois. Ah ouais, c'est la meilleure place, quoi. Voilà, c'est la meilleure place. Et quand il y a foot, t'aimes bien être posé, tu vois. Ouais, et du coup, tu choisis la meilleure place pour ce soir. Ok. Et ça, tu peux... Bon, ça coûte très cher. Mais ça, tu vois, il y a un coloc qui te saoule à mort. Ouais. Vraiment, genre, t'en peux plus. Bon, ça coûte... Il faut que tu fasses le ménage. Il faut faire le ménage pendant bien 2-3 ans, quoi. Et t'espères qu'il part pas avant, tu vois. Et du coup, tu peux le virer. Ok, trop cool. Et tant que j'y pense, tant que je suis sur là, pour l'apéro de ce soir, je vais carotte mes colocs. Ah bah ouais, apéro chez toi, parce que je les ai même pas prévenus. Et du coup, je peux les carottes pour ce soir. Donc là, l'apéro, mais j'en fais un par mois, tu vois, genre comme ça. Et là, tu vois que tous les colocs, ils reçoivent un event, en gros. Genre, ce soir, il y a apéro. Qui a acheté cette carte
quand c'est, etc. Et là, du coup, ils sont tous au courant que ce soir, vous venez à l'appart, quoi. Ah, bah trop cool. Non, mais je vais proposer ça à mes collègues, c'est génial. Bah ouais, carrément, carrément. Et de toute façon, bon, on se voit ce soir. On se voit pour l'apéro, de toute façon. Yes.